importante, nous maintiendrons l'indexation à 2,1%. Allez, dernier intervenant, Charles Roldouel. Merci, Monsieur le Président et Messieurs les Ministres. Ma question concerne l'effet récessif de certaines des mesures du projet de loi de finances sur la croissance, l'attractivité et les emplois. Partage évidemment votre souci de rétablir les comptes publics avec des mesures qui sont courageuses. On aura des débats dans les semaines qui viennent. Mais ma question est double sur ce point spécifiquement. Un, comment avez-vous mené l'évaluation, le calcul de l'impact récessif de potentiel de ces mesures sur la croissance, sur l'emploi, sur l'attractivité? Les déclarations, par exemple, de Patrick Martin, de la hausse des cotisations sur l'impact sur l'emploi. Et deuxièmement, comment est-ce que, quel est l'impact que vous voyez total des mesures du PLF s'il était voté en l'état actuel sur l'économie, sur l'attractivité, sur la croissance pour l'année 2025? Merci. Messieurs les ministres. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Roldouel, merci pour votre interrogation. On la partage et on essaye de réduire autant que possible l'impact sur l'activité. C'est notre combat commun, je me permets de dire notre, à la fois pour l'attractivité, pour la croissance et pour l'emploi. Vous avez raison de souligner l'ampleur potentielle des mesures que nous prenons en économie comme en hausse de fiscalité. Deux choses. La première, c'est que nous considérons que ces effets sont réduits du fait des personnes et des acteurs qui sont directement concernés. Les ménages qui ont des revenus les plus importants, 250 000 euros pour une personne seule, 500 000 euros de revenus pour un couple sans enfants. Pour les hausses qui concernent, pour le complément exceptionnel sur les profits des très grandes entreprises, plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires et seulement les entreprises bénéficiaires, ce qui réduit, selon nous, l'impact sur la croissance. Et puis, les éléments macroéconomiques que je soulignais tout à l'heure, sur lesquels, d'ailleurs, nous avons une divergence d'appréciation avec le Haut Conseil des finances publiques, parce que nous considérons que le reflux d'épargne, que la baisse des taux des banques centrales et donc que le financement de l'économie et que la baisse prévue de l'inflation vont tirer davantage l'investissement, l'emploi et le pouvoir d'achat et donc la consommation que certaines des hypothèses de base du Haut Conseil des finances publiques, ce qui nous permet de penser que notre prévision de croissance de 1,1% intègre bien les effets potentiels. Mais je le dis aussi avec beaucoup d'humilité, il faut qu'on regarde encore avec les représentants d'entreprises, avec vous, avec la représentation nationale, comment on peut encore améliorer ce texte. Et je le disais en introduction, ce n'est pas une formule. Il faut vraiment qu'on soit capable de prendre les propositions que vous faites pour faire des économies et que ça nous permette de réduire la hausse des prélèvements, notamment sur les entreprises, puisque c'est l'emploi et l'attractivité du pays qui